Bonjour, mon nom est Geneviève Charest, je suis enseignante en éducation physique au Cégep de Sherbrooke et aujourd'hui je vous présente une posture de yoga qu'on appelle Adho Mukha Savasana, communément appelée le V renversé. Alors comment on exécute cette posture-là? Ce qui est difficile, c'est lorsqu'on est débutant, elle semble très exigeante et pour la posture comme telle, elle est considérée comme étant restauratrice. Donc, le but ici aujourd'hui, c'est de vous offrir des alternatives pour éventuellement que cette posture-là devienne agréable et relativement confortable dans le yoga. Donc, je vous présente Sabrina, qui va être ma partenaire. Quand on débute la posture, pour s'assurer d'avoir la distance adéquate entre les mains et les pieds, on peut commencer dans une posture à quatre pattes au sol. Donc, on s'assure d'avoir les genoux sous les hanches, et les mains sous les épaules pour être bien placées. Donc, on peut partir dans cette posture-là pour ensuite aller dans le V renversé. Donc, on recroqueville les orteils et on amène les fesses au plafond. Tout ça, et ensuite, on peut pousser dans les mains pour éventuellement sortir un peu plus les fesses. Donc, ça, c'est dans la première méthode pour se rendre dans le V renversé. Autrement, on peut partir également de la posture de la planche. Donc, ça va venir plus placer dans la posture de la planche, sur les avant-bras. Donc, et elle peut éventuellement aller dans le V renversé également dans cette posture-là. Donc, elle se place dans le V renversé en s'assurant de mettre ses mains à l'endroit où ses coudes étaient. Donc, c'est le meilleur moyen pour avoir la bonne distance entre les mains et les pieds. Une fois que c'est fait, ce qui est difficile dans la posture, c'est souvent à l'arrière des jambes, pour ce qui est des mollets et des ischio-jambiers, où l'inconfort est le plus présent. Donc, c'est possible de plier un peu les genoux. Si besoin il y a. Et éventuellement, ça permet de creuser davantage un peu le dos et de sortir les fesses vers le plafond. Ça permet également, éventuellement, d'ouvrir un peu plus à l'épaule et ce qui te permet de compenser un peu pour l'inconfort à l'arrière des genoux. Donc, c'est la première alternative possible. Ensuite, je demande à Sabrina de revenir en quatre pattes. Donc, ça, c'est un des inconforts. Donc, plier les genoux, ça demeure quelque chose de potentiellement faisable pour cette posture-là. Pour la suite, ce qui est intéressant, c'est lorsque l'appui est trop grand sur les poignets, c'est bien éventuellement de pouvoir corriger cet appui-là. Et souvent, cet inconfort-là est très présent également. Donc, avec des poids libres, donc on peut aller chercher une alternative pour éviter l'hyperflexion au niveau du poignet. Donc, encore une fois, on peut partir d'une planche sur les mains, par exemple, ou une posture à quatre pattes, et ensuite monter dans le V renversé dans la même posture. Donc, également ici, on peut tenter de laisser aller les talons vers le sol, sortir les fesses à nouveau, plier les genoux au besoin et ouvrir à l'épaule. Tout ça en évitant d'avoir un inconfort important au niveau des poignets. Donc, tout ça est possible. Ensuite, si vous avez besoin de d'autres alternatives, il en existe d'autres, mais je pense sont les plus adéquates et les plus fréquentes et utilisées dans le monde du yoga.